Allô, tel quel VIP, pas tel quel VIP, bonjour, tel quel VIP, c'est mon groupe client. Donc, bienvenue à cette capsule découverte. On est mardi après-midi, 2h30. J'avais fait un petit sondage pour savoir, j'hésitais entre quelques sujets, savoir qu'est-ce qui vous rejoignait le plus et ça a été vraiment les douleurs musculaires et articulaires. De peut-être découvrir des solutions naturelles qui pourraient vous soulager. Donc, il y avait beaucoup de monde qui avait un intérêt envers ce sujet-là. Alors, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous en parle pas à titre d'experte, hein. Je vous en parle vraiment personnellement avec mes recherches, ce que je connais aussi des huiles essentielles et des produits naturels qui peuvent peut-être vous soulager, mais bien sûr, toute décision vous revient. Vous êtes vraiment les propres experts de votre santé. Moi, je suis là pour vous inspirer, vous donner peut-être des nouvelles pistes à découvrir que vous ne connaissez pas. Puis, ça sera à vous vraiment à prendre la décision et à avoir le dernier mot. Ah, salut maman! Maman qui est en direct avec nous. Fait que dans le fond, c'est ça, douleur musculaire. Ma mère ou mon père, je ne sais pas c'est qui. Bon, c'est ça, donc douleur musculaire et articulaire. Donc, on va aborder ce sujet-là. Je veux vraiment vous dire avant que je ne suis pas médecin. Que je vous aborde vraiment en toute simplicité, mais vraiment avec des solutions par contre qui, je sais, ont un effet. J'ai eu plusieurs témoignages aussi de mes clients, clientes et des gens autour de moi qui ont eu vraiment des soulagements avec des solutions naturelles qui viennent de la nature, puis qui sont très anti-inflammatoires, donc qui viennent soulager beaucoup. Fait que voilà, on va se lancer tout de suite. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est aborder le côté douleur qui peut être chronique ou plus aiguë, donc une douleur qui peut être plus à court terme ou une douleur chronique qui est là pour rester. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser qui va nous aider? Et je vais aussi vous aborder le côté de l'inflammation. Donc, il y a souvent les deux qui sont reliés ensemble, des parties qui peuvent être inflammées et qui nous causent des problèmes et des difficultés dans notre quotidien de tous les jours. Et je vous souhaite vraiment que vous trouviez quelque chose qui vous fasse du bien. Comme autant de personnes ont pu découvrir. Et ce qu'on veut, et je suis certaine que c'est ce que vous voulez aussi, c'est quand on veut s'en aller vers des solutions naturelles, ce qu'on veut, c'est que notre corps ne s'habitue pas à des médicaments. Hein, je sais que quand on vit avec des douleurs chroniques, bien souvent, c'est de la médication qu'on prend et puis on le prend un petit peu à contre-cœur parce qu'on essaye de se soulager puis c'est bien normal. Mais j'ai envie de vous apporter des solutions qui pourraient vous soulager peut-être. En tout cas, ça ne vous guérira peut-être pas, mais ça pourrait vous soulager pour éviter de consommer trop de médicaments. Et tout ça, on va aller chercher ça avec les ressources que la nature nous donne. Donc, premièrement, dans notre corps, je vais commencer en vous disant que le corps produit du cortisol. Et le cortisol, c'est déjà une hormone qui est produite par les glandes surrénales, qui est une hormone qui est très anti-inflammatoire. Donc, c'est ce que notre corps produit de plus anti-inflammatoire qui nous aide normalement, naturellement. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer le plus possible de prendre soin de nos glandes surrénales parce qu'on veut vraiment que la réponse inflammatoire soit saine. Puis, qu'on ne veut pas non plus stresser les glandes surrénales et les fatiguer parce que sinon, l'augmentation de l'inflammation va se faire à ce moment-là. Donc, sachez que sans rentrer dans les détails, ça peut être lié aussi aux glandes surrénales. Donc, ça sera aller approfondir peut-être de votre côté. Et on veut que nos glandes surrénales fonctionnent bien pour qu'elles puissent produire du cortisol et que ça puisse vraiment assurer une bonne réponse anti-inflammatoire de la part de notre corps, déjà de façon naturellement. Donc, c'est ça. Donc, quand on deal avec des conditions qui sont plus chroniques ou beaucoup d'inflammation, c'est vraiment important de participer à un régime bien-être qui va être, c'est sûr, la façon qu'on va manger, beaucoup de repos. Tu sais, vraiment d'aller chercher de façon globale aussi, pas juste dans des produits, mais d'aller chercher vraiment un style de vie santé, bien-être qui va nous aider à tout rééquilibrer au niveau de notre corps. Donc, c'est vraiment un régime bien-être global qui va devoir être graduellement mis sur pied pour vraiment s'assurer d'une bonne réponse inflammatoire. Ce qu'on veut le plus possible, c'est que notre corps se mobilise vraiment dans toutes ses fonctions pour être capable d'adresser notre problème aigu d'inflammation
ou de douleur. Donc, on veut vraiment donner le maximum à notre corps. Et le point numéro un important à prendre en considération et à débuter, ce que moi, je vois de plus important dans ce que je lis et dans ce que je constate aussi avec ma clientèle, c'est de commencer avec la supplémentation. Parce que ce qu'on veut, c'est bien sûr, oui, une alimentation saine, mais d'aller ajouter, si vous vivez avec des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës, de venir ajouter une supplémentation à votre quotidien, va s'assurer que vos cellules et vos tissus soient en bonne santé. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aider à nourrir, dans le fond, vos cellules pour éliminer le plus possible la condition chronique de la douleur en tant que telle. Donc, voilà. Donc, supplémentation, première chose à considérer. Souvent, dans ma clientèle, juste le fait d'avoir introduit là, ces trois suppléments-là, donc on a un complexe de multivitamines et minéraux, on a des oméga-3, puis on a aussi des antioxydants qui peuvent jouer un rôle très important. Plusieurs personnes ont vu une diminution importante de leur douleur simplement en venant nourrir correctement les cellules, les tissus de leur corps avec des choses qui manquaient. Donc ça, c'est le numéro un à introduire avant d'aller ajouter autre chose. Je vous dirais, si vous vivez surtout avec des choses qui sont chroniques ou des douleurs aiguës qui sont là depuis longtemps, vous devriez voir une très belle amélioration juste en entrant ça dans votre style de vie. Donc, supplémentation, point numéro un à découvrir. Ces suppléments-là, j'en parle souvent, je ne vais pas aller en profondeur. Et sont top qualité, donc c'est vraiment fait à partir de nourriture complète, c'est très important, sinon notre corps n'absorbe pas et ça passe tout droit. On ne veut pas rien de synthétique, on veut des vrais extraits d'aliments qui sont purs. Et souvent dans notre alimentation, c'est sûr qu'on va en chercher, là. On veut bien manger, on veut prendre beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, très important. Mais des fois, c'est pas suffisant, notre corps a besoin de plus, les fruits et légumes sont moins riches qu'ils étaient, donc si on supplémente, bien souvent, on va chercher un boost de plus que nos tissus ont besoin. Donc, très important, vous allez voir une belle différence. Ensuite de ça, dans les huiles essentielles qui peuvent aider au niveau de réduire l'inflammation et la douleur, le copaïba, l'hélicryse, la goule terry couchée, la menthe poivrée, le poivre noir. Donc, chacun ont leur particularité, le basilic, le romarin, c'est toutes des belles huiles qui peuvent venir soulager. Le copaïba va agir surtout au niveau de réduire la douleur et l'inflammation. C'est la substance la plus anti-inflammatoire qu'on a retrouvée jusqu'à maintenant. Le copaïba qui vient comme de la résine d'un arbre et qui est un peu notre cannabis naturel. Il va agir sur le système endocannabinoïde, il va toucher aussi à plusieurs systèmes du corps, mais au niveau de l'inflammation, très très puissant. Et bien sûr, il n'agit pas négativement sur le cerveau, là. On n'a pas les effets euphorisants qu'on a dans le cannabis. Tant mieux, mais on a les bons côtés thérapeutiques. Donc le copaïba, vraiment une huile à penser intégrée dans votre quotidien. Vous allez pouvoir l'utiliser en massage et vous allez pouvoir l'utiliser à l'interne. Ceux et celles qui ont des douleurs peut-être plus chroniques, intenses, à long terme, ça peut être bien de penser à en prendre une à deux gouttes sous la langue régulièrement à chaque jour. Justement, ce matin, j'avais une cliente qui m'écrivait pour me dire que depuis environ une semaine ou une semaine et demie, elle en prend deux gouttes le matin avant de commencer sa journée et elle a constaté déjà une réduction de 50% de sa douleur à son genou qu'elle avait. Donc, juste le fait d'être constant. Puis ça, avec le temps, elle pourra choisir si elle voit que ça diminue ou si elle a besoin d'ajouter peut-être encore une goutte ou deux le soir. Donc, ça peut être aussi à vous de voir. Mais la façon interne avec le copaïba fonctionne très bien et vous pourriez aussi combiner en faisant un massage dilué avec de l'huile de coco à l'endroit directement où vous avez mal. Donc, si c'est le dos, si c'est les genoux, moi, je combinerais prise à l'interne, peut-être avec le massage directement où ce que vous avez mal. Les deux se combinent très bien. Donc, copaïba, vraiment une substance anti-inflammatoire extrêmement puissante. Très très pur qui va vous être utile, donc à considérer, à prendre. Sinon, l'hélicryse qui va aider aussi à réduire la douleur et accélérer la guérison. Donc, dépendamment c'est quoi votre douleur, l'hélicryse pourrait être à considérer. On a la goule terry couchée qui va aider à apaiser les maux et la douleur.
Puis, on a... qui va donner... Ouais, c'est ça. Donc, la Gaultérie couchée, qui est un peu, en fait, qui est comme la même molécule. Ses composantes sont semblables à la molécule qu'on retrouve dans l'aspirine. Donc, un peu le côté effet analgésique là, qu'on va pouvoir retrouver aussi dans la Gaultérie couchée aussi. Donc, ça l'aide à réduire la douleur. Sinon, la menthe poivrée aussi peut faire du bien pour certaines douleurs aussi musculaires ou articulaires. Ça va donner un effet froid, frais sur la peau. Bien sûr, on va le diluer pour les peaux sensibles avec de l'huile de coco fractionnée. Et vous pourriez l'utiliser en massage sur la peau pour, exemple, des douleurs aux genoux ou mal de dos. Donc, ça va vraiment donner un effet froid. Ça a des propriétés anti-inflammatoires aussi. Ça va être aussi stimulant, revigorant pour vous. Pour votre journée. Donc, la menthe poivrée peut être une belle huile aussi à incorporer. Le poivre noir va aider à réduire l'inflammation. Donc, poivre noir, c'est un petit 5 ml comme ça, qui est précieux, qui est très, très antioxydant, des propriétés très antioxydantes et qui va aider aussi au niveau de l'inflammation et à augmenter la circulation sanguine aussi. Sinon, basilic, romarin aide au niveau de calmer tout ce qui est nerveux, les nerfs. Si vous sentez plus que c'est au niveau des nerfs coincés, ça peut aider. Ça va augmenter aussi la circulation sanguine. Donc, ça peut être une belle façon aussi, dépendamment c'est quoi la source du problème. Sinon, il y a aussi des mélanges qui sont déjà faits d'huiles essentielles qui ont été assemblés dans un mélange pour cibler au niveau des douleurs ou de l'inflammation ou de la circulation sanguine. Puis je vais vous les présenter à l'instant. On a le D-Blue qui se fait en huile essentielle. En fait, c'est un mélange d'huile essentielle où ce qu'on va retrouver justement de la menthe poivrée, de la gaultérie. On va avoir de la menthe poivrée, ouais, menthe poivrée, gaultérie, de la camomille. On va avoir de l'osmanthus, de l'hélicryse. Donc, justement, les huiles que je vous parlais un petit peu là, justement au préalable, bien, vous les retrouvez dans le D-Blue. Donc, c'est sûr que ça, c'est notre mélange numéro 1 qui est le plus vendu là, pour ce qui est douleur musculaire et articulaire. Tout est déjà prêt dans une petite bouteille. Vous en mettez quelques gouttes avec d'huile de coco fractionnée ou une crème neutre et vous venez vous faire un massage. Ça va être surtout utilisé pour des massages topiques. Donc, vous allez cibler où ce que vous avez mal. J'ai plusieurs clientes qui se soulagent avec ça pour des douleurs articulaires, pour des douleurs musculaires fréquentes. Ils vont aller faire des massages. Et là, ce qu'on veut quand on fait un massage topique, vous allez appliquer au début aux 20-30 minutes jusqu'à temps que les symptômes, votre douleur diminue. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir espacer aux 2 à 6 heures. Puis vous allez voir votre espace de votre durée de sans douleur va s'allonger aussi avec le temps. J'ai une cliente qui disait qu'au départ, elle en mettait plus souvent, puis maintenant, comparativement à ce qu'elle utilisait pour se soulager de ses douleurs, elle était capable d'étirer puis de faire maintenant une journée de 6 à 8 heures sans prendre sa médication. Donc, ça l'a beaucoup, beaucoup fait de bien. Donc, le D-Blue, c'est une belle huile à découvrir pour ceux et celles qui ont douleurs, qui vivent avec des douleurs constantes. Sinon, on a le mélange Aromatouch qui, encore une fois, des huiles. Celle-ci va être vraiment plus pour aider au niveau de la circulation sanguine. On a la marjolaine à l'intérieur qui aide aussi au niveau de la douleur. Ça va vraiment aider plus au niveau de la circulation. Donc, ça peut faire du bien, ça peut soulager ceux qui ont des douleurs aux jambes puis que c'est un petit peu dû au manque de circulation. Ça peut vous faire du bien. Un bon massage avec la synergie Aromatouch. Marjolaine qu'on retrouve à l'intérieur. On va retrouver aussi de la menthe poivrée, du basilic, pamplemousse, lavande, qui est aussi un petit effet... analgésique, doux au niveau de la lavande. Donc, ça peut soulager. Une belle huile à prendre en considération. Sinon, on parlait de la supplémentation tout à l'heure. Donc, le trio LLV, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment la base à incorporer. Mais il y a aussi un complexe polyphénol qui se vend, qui est fait un petit peu pour accompagner la synergie des blues. Et c'est des extraits de plantes, des extraits botaniques et des extraits d'huile essentielle qu'on va retrouver. Ça se prend en capsules. Vous allez pouvoir l'ajouter à votre prise
de suppléments quotidiens. On va retrouver de l'encens, de la curcumine qui provient du curcuma, donc qui est un extrait qui est très anti-inflammatoire, des propriétés très anti-inflammatoires. On va retrouver du gingembre, du thé vert, de l'extrait de fruits de pomme grenade, de l'extrait de pépins de raisin. Donc, toutes des belles substances qui vont venir aider et qui sont très antioxydantes. Donc, ça va venir soulager beaucoup au niveau des douleurs, des jointures, de l'inflammation, ceux et celles qui vivent avec justement des douleurs articulaires plus chroniques, des muscles endoloris et même en prévention, ça va venir aider à nourrir vos cellules parce que c'est très, très antioxydant. Donc, en prévention à certaines maladies aussi, ça pourra venir vous soutenir. Je ne l'ai pas à vous montrer avec moi parce que je l'avais donné à quelqu'un. Mais vraiment un bel ajout si vous vivez avec des douleurs plus chroniques à incorporer à l'interne pour venir donner vraiment tout le côté antioxydant que vos cellules pourraient avoir besoin. Et le polyphénol complexe, normalement, il est quand même assez dispendieux, mais lorsqu'on l'achète avec le trio de suppléments, on l'a, au lieu de l'avoir à 76 $, on l'a à 24 $, donc une méchante différence. Donc, ça pourrait être très intéressant puis pour venir vous soutenir au niveau de vos douleurs musculaires. Je vais vous dire tout à l'heure les prix complets. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce sujet? Un truc aussi, lorsque vous appliquez des huiles essentielles pour des douleurs un petit peu plus chroniques, considérez les appliquer de façon régulière 2 à 3 fois par jour. C'est le truc avec les huiles essentielles. Si on en met juste une fois, bien sûr que ça risque de ne pas faire une grosse affaire. Soyez constant et l'appliquez 2 à 3 fois par jour de façon régulière pour venir soulager en massage, par exemple, ou ce que vous avez mal. Prise à l'interne aussi, considérez prendre le matin peut-être 1 ou 2 gouttes de copaïba sous la langue et selon au besoin, commencez avec 1 à 2 gouttes et au besoin peut-être en rajouter 1 ou 2 gouttes le soir, ce sera à vous de voir. La façon interne va être très appropriée et on a aussi ce qu'on appelle le layering, donc d'appliquer nos huiles essentielles en couches successives. Il y a une puissance encore plus forte qui a été démontrée lorsqu'on applique nos huiles essentielles mais en couches successives plutôt que tout mélanger dans le même pot et de l'appliquer. Donc, si exemple, vous voulez mettre de l'amande poivrée et vous aimeriez mettre copaïba, par exemple, ben faites-les au lieu de mélanger les deux ensemble dans votre main. D'appliquer, exemple, l'amande poivrée en premier. Vous attendez quelques petites secondes, vous faites un massage et vous appliquez en deuxièmement, en couche successive, le copaïba par-dessus. Ça a été démontré que chaque huile en couches successives vont aller donner un effet encore plus puissant au niveau anti-inflammatoire, puis juste au niveau de leur composition, donc ça va être plus efficace. Donc, considérez peut-être le faire lorsque vous vivez des moments peut-être plus intenses, de faire le layering, donc les appliquer en couches successives. Donc voilà, c'est les huiles que je vois les plus utiles et les plus importantes, ainsi que la supplémentation. Il y a aussi la synergie past tense, vraiment, que j'ai découvert dernièrement avec Mathieu, puis on s'en laisse une bouteille sur le comptoir, et régulièrement, on va aller s'en mettre sous la nuque. Je dis que j'ai découvert dernièrement, je la connaissais, mais on a vraiment commencé à l'expérimenter de façon plus concrète pour nous. Parce que souvent, le past tense, il est relié aux maux de tête, aux tensions. Ça vient beaucoup aider les gens qui vivent avec des défis vraiment intenses au niveau des tensions de la tête, des douleurs, des maux de tête extrêmes. Donc, c'est pas ce qu'on vit, on l'utilisait pas parce qu'on n'en a pas des maux de tête chez nous. Par contre, les huiles essentielles qu'ils contiennent vont venir aussi soulager pour toute autre tension et ça pourrait être une synergie qui vous soulage vraiment beaucoup. On a premièrement comme premier ingrédient la Gaultérie que je vous disais tout à l'heure qui a aussi des propriétés qui est très anti-inflammatoire, qui est un petit peu la même base de composition chimique que l'aspirine, donc ça va venir aider aussi à diminuer au niveau des douleurs. On a de la lavande, on a de l'amande poivrée, de l'encens qui est une très très bonne huile à large spectre d'action. L'encens va aller souvent bonifier aussi l'effet des autres huiles lorsqu'elle est mélangée avec d'autres huiles. Donc elle a des propriétés aussi qui vont aller toucher plusieurs systèmes du corps. Donc c'est super quand on la retrouve dans un mélange.
On a de la coriandre, on a de la marjolaine, comme on parlait, qui est très bonne aussi au niveau des douleurs. Camomille romaine, du basilic et du romarin pour la circulation sanguine. Fait que c'est vraiment aussi un beau mix, je vous dirais. Là. Le Pastan, c'est le Deep Blue en application topique, ainsi que le Copaiba. Là. Ça serait vraiment mes trois tops à prendre lorsque si vous vivez avec des défis au niveau de la douleur et tout ça. Donc, Pastan, ça peut être super intéressant. Ça a vraiment un effet un peu froid, frais. On sent là, l'effet que ça donne. Le Copaiba, vous allez l'appliquer, vous n'allez pas sentir aucun effet. Et ça sent presque rien. Puis quand on l'applique, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui se passe parce qu'après quelques minutes, vous allez le voir. Mais au niveau du feeling sur la peau, rien. Je le faisais essayer à une cliente qui avait des douleurs dans les doigts pendant qu'on faisait la consultation avec elle. Juste le temps, quelques minutes, elle s'en est appliquée. On a parlé quelques minutes. Après 5-6 minutes, elle s'est bougé les doigts, puis elle n'en revenait pas déjà que... C'était son poignet qui faisait mal parce qu'il faisait continuellement le même mouvement. Après quelques minutes, elle a été vraiment, vraiment surprise que son poignet lui faisait plus mal. Donc, le Copaiba, il agit en silence, tandis que le Pastan, c'est le Deep Blue, on a vraiment l'effet de fraîcheur qui vient aussi donner une sensation sur la peau qui souvent peut soulager aussi. Donc, voilà. C'est les top huiles. Je termine en vous disant rapidement comment vous pouvez vous procurer tout ça s'il y aurait des choses qui pourraient vous aider là-dedans. On a, avant la fin du mois, qui est le 28, une promotion. Ceux et celles qui auraient envie, oui, de se procurer des choses pour les douleurs inflammatoires, mais vous aimeriez, tant qu'à y être, ben, débuter avec d'autres huiles essentielles qu'on utilise dans notre quotidien, que ce soit pour éloigner les microbes, que ce soit pour apprendre à faire nos produits ménagers, pour diffuser dans l'air, pour assainir l'air, pour aider au dodo. Donc, vous aimeriez avoir, tant qu'à y être, un bon petit kit qui pourrait vous aider à plein de niveaux. Ben, je vais vous proposer à ce moment-là de prendre l'ensemble des essentiels de la maison. Les essentiels de la maison, c'est quoi? Ben, c'est complètement ces 10 huiles-là. C'est comme si vous faites votre petite trousse là, qui va rester, qui va être bonne pendant des années. Parce que les huiles essentielles, elles n'ont pas de date d'expiration comme telle. On doit en mettre une parce que Santé Canada l'exige. Mais si vous les gardez au frais et à l'ombre, ça va être bon des années. Donc, c'est vraiment un investissement que vous faites pour vous, pour votre famille, pour votre santé et qui va vous être utile à plein niveau pour diminuer votre consommation plutôt qu'un médicament qui va venir affecter la santé puis donner des effets secondaires. Donc, dans ce kit-là, bien sûr, vous allez avoir la synergie des bleus pour les douleurs musculaires et articulaires. Vous allez avoir l'amande poivrée aussi qui peut soulager au niveau soit des maux de tête, des tensions, des douleurs et de l'inflammation. On a l'encens qui est une huile très précieuse aussi. Je vous parlais à large spectre d'action que vous allez pouvoir mélanger avec vos autres huiles pour lui donner, encore une fois, un boost de plus. L'encens est là. Et on va retrouver les autres huiles. Dans le fond, ben, ça va être des huiles qui vont vous servir de votre pharmacie de tous les jours, comme la lavande qui peut être bon pour les petits bobos, les irritations cutanées, les boutons, mélaleuca pour tout ce qui est fongique, feu sauvage, toutes ces petites choses-là, tout ce qui est digestion, microbes, tout ça, des choses à diffuser dans l'air. Vous allez vraiment avoir un ensemble complet. Ça vient avec une petite formation. Donc, c'est votre trousse de départ. Ça vient aussi avec un diffuseur. Si vous avez envie de vous lancer puis de vous faire une petite trousse, je vous conseille celle-là parce qu'elle est vraiment complète. Quand même, on a le diffuseur, les 10 huiles de base. Vous allez avoir votre petite formation et la carte de membre qui vient avec aucune obligation d'achat mensuel. Simplement que vous allez avoir toutes les prochaines huiles à 25%. Donc, tout ce beau kit-là est à 330$ et avant le 28 février, vous allez recevoir 2 huiles en supplément. Donc, ça peut valoir vraiment, vraiment la peine. C'est rare qu'il y a 2 huiles à l'achat d'une trousse qui est offerte. Donc, vous allez recevoir le Sérénité, qui est une synergie qu'on peut diffuser, qu'on peut mettre dans le bain pour calmer, pour aider au niveau du dodo. Moi, je m'en sers pour mettre dans le bain beaucoup et en diffusion à l'occasion aussi pour mes enfants ou juste le soir avant le dodo, diffuser dans la cuisine pour calmer. Et ça vient aussi avec la mandarine rouge que vous allez pouvoir utiliser à l'interne et en massage ou en diffusion. Donc, vous allez avoir 2 belles huiles en extra pour tout ce beau kit-là. Sinon, vous pouvez aussi, je vous ai fait un petit kit qui contient vraiment plus des choses focus anti-inflammatoire douleur. Donc, avec en incluant votre trio de suppléments,
Vous avez de la supplémentation ici pour un mois. Vous allez avoir votre complexe de polyphénol qui est très antioxydant pour ceux qui vivent plus avec des douleurs chroniques. Vous allez avoir le copaïba aussi et la carte de membre pour $207,75. Donc, ça serait vraiment pour les personnes qui veulent commencer avec quelque chose puis cibler douleurs plus chroniques au niveau et inflammatoire. Donc, ça serait un bel ensemble pour vous. Sinon, il y a aussi la même petite trousse que je vous ai montrée ici, les 10 huiles essentielles. Mais au lieu de les avoir en format régulier, c'est possible de les avoir en petit format de 5 ml. Donc, il n'y a pas de diffuseur qui vient avec, bien sûr. Il est $185 et vous allez recevoir la mandarine rouge avec le petit ensemble. Donc, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous rejoint, vous avez envie d'essayer ça, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. J'espère que ça vous a inspiré. J'aimerais terminer en vous disant aussi qu'il existe la synergie des Blue en huile essentielle. Le mélange est aussi fait sous forme de crème, peut-être pour les personnes qui veulent tout de suite avoir une application rapide. Vous allez pouvoir avoir un tube et l'utiliser directement sur vos douleurs déjà prêtes à l'emploi au lieu de le diluer avec de l'huile de coco. Donc, ça peut être une autre belle façon de l'utiliser aussi. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, puis je vous souhaite à tout le monde une belle après-midi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais vous répondre au mieux que je peux. Bonne journée!